L'Institut supérieur Clorivière, c'est un établissement privé, sous contrat d'association avec l'État, un établissement congréganiste des filles du Cœur de Marie qui, en cette année, fête ses 100 ans d'existence, ses 100 ans d'âge. C'est une école fondamentalement sociale, de par son inspiration, de par ses sources et ses ressources. 40% de nos étudiants suivent un cursus d'économie sociale familiale, ponctué d'une troisième année. Et puis il y a aussi l'aspect vraiment familial, ancré dans nos gènes, dans ce charisme qui est la proximité. Aujourd'hui, l'Institut supérieur Clorivière est un établissement d'enseignement supérieur qui accueille plus de 430 étudiants, pour 90% d'entre eux en formation de BTS, brevet de technicien supérieur. Donc 2 ans d'études qui peuvent être complétées par une troisième année d'études, soit dans le domaine du social, soit dans le domaine du management ou du commerce lié au tourisme ou à l'hôtellerie. Les éliminatoires du 16e concours national d'enseignement ménager se sont déroulées à Marseille. Il y avait 24 concurrentes déjà sélectionnées par département. Les épreuves comprenaient la couture, la puériculture, l'habileté manuelle et bien sûr la cuisine. La cuisine qui fut, parfois, une épreuve non seulement pour les candidates mais pour les membres du jury qui devaient goûter 24 fois le même plat. Au tout départ, c'est une école normale d'instruction ménagère. Après, des choses se sont ajoutées, instruction ménagère et familiale, parce qu'en fait, il y avait 3 types de cours qui étaient dispensés. Un cours donc, de type école normale, c'est-à-dire on forme des institutrices normales, mais qui seront capables d'apprendre des rudiments de couture et de cuisine à leurs élèves. On propose aussi des cours à la carte. Il faut se remettre dans le contexte de la France de l'époque. À la fin du 19e siècle, début 20e, il y a l'exode rural qui fait que les jeunes filles sont arrachées à leur famille pour aller travailler en ville. Donc les mères ne peuvent pas transmettre ce qu'elles transmettaient avant. Il y a le début des études pour les jeunes filles. Donc si les filles font des études, elles sont moins à la maison, il y a moins de transmission aussi. Or, nous, dans les congrégations religieuses, les filles de la charité en particulier, on a des orphelinats et dans un orphelinat, on doit faire cette transmission. Donc on sait faire. On nous a demandé de l'aide en 1916. On a pris la direction en 1917. C'était essentiellement une réunion de personnalités qui voulaient, je dirais, entre guillemets, changer le monde. What did you say? Excellent! You will be... En 1922, se tient à Paris un congrès international de l'enseignement ménager. Ça va faire connaître l'Institut. Et donc, on avait déjà un certain nombre d'élèves, mais ça va croître de façon exponentielle après ce congrès de 1922. Il y a beaucoup de filles de grands patrons des usines textiles du Nord qui font leur formation en 1 an, voire 2 ans. Et en fait, elles ont l'idée, quand elles rentrent chez elles, de faire une formation pour les ouvrières qui travaillent dans l'usine de leur père. On est dans la conception du patronat chrétien où on prend en compte le bien-être des employés, la culture d'entreprise, etc. Du coup, on va passer au niveau des effectifs en 2 ans d'une 20aine d'élèves en école normale à 100. Et du coup, c'est ce qui explique que dès 1924, la réalité de la rue Monsieur, c'est un petit peu ce qui se passe rue Monsieur, mais c'est beaucoup une multitude de centres qui s'ouvrent un petit peu partout. On est un petit peu les ancêtres de tous ces centres sociaux, MJC, lieux d'animation populaire en fait. Il y a eu ensuite la guerre de 40, qu'il y a des femmes qui vont se retrouver à la tête de l'entreprise familiale, que le père, le frère, le fils ne peut plus tenir. Et donc elles vont avoir besoin d'une professionnalisation beaucoup plus importante. Donc petit à petit, on va glisser. Ce sera moins la coupe couture et plus comment équilibrer un budget, comment faire ses courses. Ça va être plus économique, plus technique. Et puis après la guerre, justement, il y a plus de femmes qui travaillent. Donc on va d'ailleurs contribuer à ce que le diplôme de travailleur social soit créé, le diplôme d'infirmière, etc.
le CAP d'art ménager aussi, avec l'idée qu'il faut avoir un métier rémunéré, et donc il faut un diplôme. Voilà, donc on suit l'évolution de la société, des fois on la précède d'ailleurs. L'objectif était à la fois, je dirais, féministe et social. Notre séquence consacrée ce soir à la femme est plus exactement destinée à celles qui seront les femmes de demain. Nous avons retrouvé au centre d'enseignement ménager agricole d'Avignon une quarantaine de jeunes filles venues du Pontet, de Vedaine, de Sorgues, de Château-Renard, de Bellevue, des Angles. Cette concentration laisse déjà préfigurer de ce que sera la cité des papes de demain. C'est-à-dire former des femmes au foyer, mais leur donner la possibilité de sortir du foyer pour avoir des actions sociales. Et c'est essentiellement ça, la création de la rue Monsieur, dont Clorivière est la suite directe. C'est une espèce de pâte à crêpes qu'on fait couler sur des tranches de poire. Ah, c'est ça, clafoutis, hein, tout simplement. Moi, ce qui me marque le plus chez les étudiants, c'est à quel point, pour beaucoup d'entre eux, nous les avons accompagnés à relever les défis. Et ici, c'est un havre de paix. C'est un lieu où ils se sentent bien, ils se sentent en confiance, ils se sentent écoutés. Et ce n'est pas pour rien que certains étudiants ensuite deviennent enseignants. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de nos étudiants actuels sont venus recommandés par des anciens étudiants. Et c'est en 1923 que l'Institut social familial ménager s'est installé, concrètement le 7 mars, à la rue Monsieur, dans l'institut qui, à l'époque, et qui est encore l'hôtel de Bourbon-Condé, et que nous occupâmes jusqu'en 2007, date à laquelle nous avons déménagé. L'hôtel de Bourbon-Condé est un hôtel qui est classé au premier inventaire de monuments historiques. Donc il faut voir que les salles de classe, ce sont des salles qui ont des formes un peu curieuses. Certaines sont en rotonde, hein, et donnent sur un jardin bicentenaire. D'autres vont avoir des parquets Versailles absolument magnifiques. Et on garde à l'intérieur de cette maison l'historique des écoles ménagères. C'est-à-dire que vous avez de l'argenterie à table pour les enseignants. Vous avez de la vaisselle de Creil, des choses qui sont liées au départ de l'Institut. Les femmes sont aujourd'hui dans tous les métiers, même les plus durs. Deux guerres à 25 ans d'intervalle ont amené cette transformation. Où les hommes furent absents, les femmes ont dû prendre leur place. Une nouvelle formule de vie s'est ainsi créée. Il est admis aujourd'hui que la femme, en plus des travaux où elle se confinait autrefois, soit conductrice d'auto, brancardière, qu'à son rôle éternel d'infirmière, elle ajoute ceux naguère réservés de docteur, de dentiste, de chimiste. À ce nouveau rôle correspondent de nouveaux droits. Il s'agit de réformer l'édifice caduc d'une civilisation basée sur le travail de l'homme pour y faire place à la femme devenue son égale. Le BTS-ESF qu'on voit dans beaucoup d'établissements aujourd'hui a été créé rue Monsieur, ainsi que la troisième année, puisqu'ils ont créé l'année de conseillère en économie sociale familiale, qui est aussi une création de la rue Monsieur. On commence vraiment par le travail social. 1972, c'est effectivement la création des BTS, du BTS-ESF, économie sociale et familiale. Et là, c'est aussi la mise sous contrat très rapidement avec l'État. Ce qui permet d'accueillir des étudiants et de les accueillir avec des frais de scolarité limités. Ensuite, sont venues les formations d'assistantes trilingues. Donc des jeunes femmes qui se formaient à assez haut niveau à l'accompagnement en société, avec un fort niveau d'implication dans les langues. Vous voyez, on est toujours vers l'ouverture, parce que les langues, c'est l'ouverture aux autres. L'ESF, bien entendu, c'est l'ouverture sociale. Et se sont adjointes ensuite des formations de tourisme.
Et là, c'est encore l'accueil. Le modèle de la rue Monsieur a été effectivement repris par des établissements à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, les Filles du Cœur de Marie ont essentiellement des établissements à l'étranger. L'Institut supérieur Clorivière, qui s'appelait à l'époque l'Institut rue Monsieur, en fait, le label connu, c'est l'Institut rue Monsieur à travers le monde. À l'Institut rue Monsieur, les Filles du Cœur de Marie ont été présentes jusqu'aux années 80. Certaines d'entre elles étaient directrices, certaines d'entre elles étaient professeurs. Ces professionnels sont 10 000 en France, dont plus de 90% de femmes. À l'origine, il y a une quarantaine d'années, ils s'occupaient essentiellement d'enseignement ménager. Mais peu à peu, et surtout après la création en 1974 d'un diplôme d'État, leurs fonctions se sont élargies à de nombreux secteurs sociaux. On les trouve notamment dans les caisses d'associations familiales, à la DAS, dans les offices d'HLM, et encore dans des structures d'accueil pour femmes seules et anciens détenus. J'ai fait mon BTS et je suis sortie en 1983 de ce BTS. Et je suis donc aujourd'hui enseignante à l'Institut Clorivière et aussi guide conférencière nationale. Et donc ça m'a véritablement donné l'envie et confirmé l'envie de faire ce métier de guide conférencière. Et puis aussi de devenir enseignante. Nous sommes dans les années 80 et aujourd'hui cette formation de tourisme fait de nous le deuxième établissement en France en termes d'effectifs. Puis, dans les années 90, il y eut la naissance des métiers liés à l'assistanat, secrétariat, aujourd'hui on parle de management, toujours dans une notion de service. L'établissement déménagea, nous sommes en 2007 et nous avons rejoint la Fondation Eugène Napoléon. Il sembla tout naturel de changer de nom parce que le nom, l'Institut rue Monsieur, en fait, portait le nom même de la rue où l'hôtel de Bourbon-Condé était installé. Et donc il nous fallut trouver un autre nom, il y eut une consultation et finalement l'hommage fut rendu au cofondateur, Clorivière, et puis nous avons ajouté l'aspect supérieur qui fait de nous l'aspect différentiel par rapport aux autres établissements. Ici, nous sommes dans le petit musée qui est consacré à nos fondateurs et aux premières filles du Cœur de Marie. Et notre fondatrice, c'est Adélaïde de Cissé. Son nom complet, c'est Adélaïde Marie Champion de Cissé. Et alors, elle a eu le désir profond dès sa jeunesse d'être totalement consacrée au Seigneur par des vœux religieux perpétuels et en même temps de pouvoir aller au-devant des pauvres. Et ça n'est pas possible avant la Révolution parce qu'on peut faire venir des pauvres dans le couvent, mais des femmes consacrées ne sortent pas du couvent. Et donc quand le père de Clorivière a cette révélation, cette inspiration en 1790, il se souvient du dialogue avec cette femme et il va l'associer au projet de fondation. Il est né en 1735, il est mort en 1820. Et à la moitié de sa vie, vers 50 ans, il est en pleine Révolution française quand la vie religieuse est interdite par l'État. Et il a l'inspiration, le 19 juillet 1790, qu'une vie religieuse discrète, sans signe distinctif, faisant des citoyens exemplaires, soit possible dans ce monde où on persécute la vie religieuse. Allez Victor, on s'assoit. Comment s'appelle l'agglomération des bulles sur l'épaisseur du disque ? Au début des années 2010, une quatrième formation est née. Une formation à l'époque où l'apprentissage n'avait pas tant le vent en poupe qu'aujourd'hui. Une formation de technico-commerciale en lien avec les vins et les spiritueux. Donc une formation ancrée dans la terre qui s'est développée. Aujourd'hui, nous en fêtons le 12e anniversaire avec un chai, une vigne, un laboratoire de dégustation et aussi une confrérie bachique. Est-ce que vous avez déjà fait des salons de spiritueux ? Bienvenue au 9e chapitre de la confrérie bachique Clorivière.
Victor, souhaitez-vous rentrer dans la confrérie de la Chicle-Rivière? Oui, je le veux. Eh bien, Victor, je suis très heureux de vous faire compagnon de la confrérie de la Chicle-Rivière. Merci. Eh bien, je suis très heureux de vous faire compagnon de la confrérie de la Chicle-Rivière. Je suis arrivée dans cet institut à la suite de mon baccalauréat. Je voulais faire du tourisme et ce qui m'a marqué, c'est vraiment le corps professoral, très présent et très accompagnement pour nous aider à nous déployer et à ouvrir nos ailes dans le secteur. Aujourd'hui, je crois que pour appréhender ce présent qui quelquefois est un peu fuyant, pour mieux comprendre et anticiper le futur, quoi de mieux que connaître véritablement ses racines, voir, savoir ce qui nous anime, ce qui irrigue notre pensée, ce qui nous permet comme de pouvoir croître en fait, et de croire toujours en des lendemains qui peuvent être heureux. Pourquoi les jeunes nous choisissent, nous, plutôt qu'aller dans un autre établissement. Le côté humain, je crois qu'on l'a. De par le fait qu'il y a l'économie sociale et familiale qui est au cœur quand même de cet Institut Chlorivière aujourd'hui, toujours très très fort. Et voilà, de pouvoir transmettre des valeurs humaines. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Et demain, l'Institut Super Chlorivière accueillera, dès septembre 2023, une nouvelle formation, élargira le spectre de ces formations avec une formation liée au secteur médico-social dans le domaine de l'auxiliaire de puéricultrice et des aides-soignantes. Et je suis très fier de voir le parcours que prennent nos étudiants à l'issue de cet établissement et de savoir qu'ils en garderont éminemment un souvenir très glorieux de leur passage pendant ces 2 à 3 années. Voilà, il y a beaucoup de moments forts qu'ils ont vécus, que ce soit des moments liés à des actes de charité, des actes de manifestations festives où on a pu révéler les talents des uns et des autres, des missions d'accompagnement. Free, meant to be free.